Bonjour à toutes et à tous. Jeudi 4 juin. J'espère que vous allez bien. Ça y est, là, on est rentré vraiment, vraiment dans les énergies de la pleine lune. Hein. Pour celles qui n'y étaient pas encore, on y est vraiment. On y est depuis hier, on y sera jusqu'à samedi ou dimanche. Ça dépend des personnes. On dit entre 24 et 48 heures. Moi, voilà, je ne suis pas affirmative, mais c'est vrai que c'est en général au minimum 24 avant, 24 après. Pour beaucoup d'entre vous, ça avait déjà commencé, ça va crescendo. Cette pleine lune qui aura lieu donc demain matin, hein, est une pleine lune à la fois, je vous l'ai dit, hein, est une pleine lune à la fois qui nous demande de libérer et nous apporte du renouveau. Pour beaucoup, je ressens quand même que la phase de libération qui était en amont, hein, voilà, c'est ce que j'ai canalisé comme message. Encore une fois, vous prenez si ça résonne pour vous. Hein. Je canalise ce que je reçois, je canalise ce qui est juste pour moi. Vous gardez de ça ce qui résonne. C'est très important, le libre arbitre. En tout cas, ce que je ressens et ce que je ressens aussi quand je me connecte à vous, au groupe, je sens que cette pleine lune, elle a eu deux étapes. Elle a eu la première étape en amont, hein, c'est-à-dire avant, où voilà, là, on a été un petit peu. Voilà, beaucoup, surtout, vous m'avez dit, je ressens un peu de la contraction, j'ai des boules à l'estomac, j'ai des migraines, je dors mal. Et puis, on se dirigera sur l'après, à partir du jour de la pleine lune, donc peut-être ce soir, aujourd'hui, demain, vers quelque chose de plus open, de plus ouvert vers l'avenir, quelque chose de plus dynamique et plus léger. Ça peut fonctionner comme ça, mais ça peut être aussi complètement différent. En tout cas, c'est ce que je ressens et c'est vraiment parce qu'elle fait ce travail elle nous demande. Elle va nous offrir de magnifiques cadeaux cette pleine lune, mais elle nous demande une contrepartie, c'est-à-dire de lâcher des énergies qui ne sont pas OK pour nous. Alors, pour nous concernant, je voulais vous remercier pour vos commentaires sur la vidéo d'hier que j'ai fait avec le tarot vice-versa. Vous avez raison, c'est un magnifique tarot, je l'adore. Encore une fois, je viens remercier Florence. Parce que vraiment, vraiment, c'est un très, très beau cadeau. Tu veux venir dire bonjour, Flavien? Il y a Monsieur Lino qui veut venir dire bonjour à la communauté. Non, il ne veut pas. Tu veux pas? Tu viens dire bonjour ou pas? Viens, yeah, viens. Ah, d'accord, tu veux. Hop, allez. Bonjour tout le monde. Oui, c'est un très, très beau tirage. Donc, je referai un tirage avec ce tarot. On retravaillera avec. On va retravailler un peu plus avec les tarots, notamment les arcanes majeures, hein, sur les tirages généraux de la chaîne YouTube. Je trouve que les arcanes majeures sont très parlants. J'aime bien les mélanger aux oracles. Je trouve qu'il y a quelque chose de très, très intéressant. Alors, donc du coup, je remercie donc Florence et je vous remercie surtout pour votre retour sur ce travail. C'est toujours agréable quand on vous fournit quelque chose, un travail, de savoir comment vous l'avez ressenti, si vous aviez autant de plaisir à le regarder que moi j'ai eu à le faire. C'est toujours intéressant. Même pour ceux pour qui ça ne parlerait pas vraiment. Il y a au-delà de est-ce que ça me parle, c'est est-ce que dans les résonances énergétiques, c'est OK pour moi. Et j'ai vraiment senti ça et j'en suis très heureuse. Alors, les rendez-vous du jour, c'est à 9h55, coiffée, maquillée, sur Insta pour un tirage. C'est une vidéo en fin de journée sur la chaîne YouTube, une très très belle vidéo que je vais vous préparer, qui va être votre message de pleine lune. Qu'est-ce que la pleine lune a à vous dire, vous personnellement? Et là, on va aller le faire signe par signe. Donc ça va être intéressant. Hein, votre horoscope lunaire, hein, voilà, c'est un petit peu, voilà, la pleine lune, elle va vous dire quoi? Donc ça, c'est vraiment être le message. Et puis, comme c'est la semaine des cadeaux, hein, puisque j'ai encore reçu, on m'a encore offert un magnifique, là, cette fois-ci, oracle. Et je l'embrasse parce que elle, je la connais, je l'embrasse, hein, je l'embrasse très fort. Donc, on m'a offert hier les portes de l'âme. Alors, j'avais les portes de l'intuition, mais c'est encore un jeu que je n'avais pas. Je ne les ai pas tous. Donc dans le tirage de ce soir sur les signes, il y aura les portes de l'âme. Hein, on aura les portes de l'âme, on aura les portes de l'intuition. Voilà, on n'aura pas de tarot. Hein, non, on n'aura pas de tarot. Il y aura vraiment que des oracles parce que ce sont des messages d'un petit peu pour vous dire quels vont être les enjeux. Donc ça, c'est les rendez-vous du jour.
Les rendez-vous importants aussi, c'est le soin de pleine lune demain, hein, vous êtes déjà très nombreux. Les portes sont encore ouvertes. Je vais faire une vidéo sur le groupe privé aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu le déroulé, hein, pour vous expliquer comment ça va fonctionner, et surtout comment vous, vous pouvez vous positionner. Les conseils, après ça ne reste que des conseils, vous pouvez vous positionner par rapport à cette pleine lune et comment moi je vais travailler par rapport à vous. Donc, jusqu'à demain matin, on va dire, jusqu'à mon réveil demain matin, eh bien, vous pouvez toujours rejoindre le soin. Si ça vous intéresse, vous regardez dans la barre d'infos. Et c'est parfait. Pour les pierres et les cœurs en quartz rose, tout. Alors, j'ai un petit peu décalé l'envoi, donc ce n'est pas la peine de s'affoler. Toutes les commandes de cœurs en quartz rose que vous m'avez fait la semaine dernière et de pierres partiront aujourd'hui. Hein, volontairement, j'ai attendu aujourd'hui, puisque en ce moment, comme c'est super méga compliqué avec la poche, je ne fais plus qu'un envoi par semaine. Donc, ça va partir aujourd'hui. On est jeudi. Ce sera, c'est à 99,9% certain que ce sera dans vos boîtes toilettes. Il n'y a pas d'envoi, en tout cas pour la France, hein, pour l'étranger, c'est parti. Hein, mes envois en France, bon voilà, je me suis fait, je l'ai vécu moi-même. Tout le monde aura ça dans sa boîte toilette samedi, puisque ça va partir dans la levée d'aujourd'hui. Donc, pas d'affolement. Si c'est normal que vous l'ayez pas réussi, puisque ça devait partir hier. Je vous rappelle, je vous ai dit quelque chose, je ferai l'envoi mercredi. Et puis finalement, je l'ai décalé à ce matin. Donc ça va être l'occupation de la journée, de l'après-midi, c'est d'aller à la poste. Alors c'est réellement une expédition, hein, pour ceux et celles qui dans les grandes villes en tout cas, dans les petites villes, je ne sais pas, mais dans les grandes villes, c'est une expédition, parce qu'il peut y avoir une queue d'une heure à une heure et demie quand même. Donc voilà, pour vous. On va terminer avec le blabla sur la rencontre partage du 11 et 12 juillet, qui est... On peut dire quasi complète, hein, il reste, je crois, je ne sais plus, j'ai pas fait le point, mais je crois qu'il doit rester une place ou deux. Mais de toute façon, si on est 13, ben on sera 13 et c'est parfait. En tout cas, voilà, c'est fait. J'organiserai sur Instagram, mais aussi sur le groupe privé Guidance et Énergétique, un live semaine prochaine de questions-réponses autour de ça, autour des rencontres partage, mais aussi surtout autour de l'intérêt que va avoir cette année 2020 pour vous, pour nous, de participer aussi à des choses de groupe. Et pourquoi c'est intéressant et qu'est-ce qu'on a à y apprendre de plus que dans une guidance individuelle ou que dans un soin individuel. Voilà. Il ne se joue pas les mêmes choses, mais j'avais envie de partager ça avec vous. C'est Sananda qui m'a dit que peut-être ce serait intéressant que je vous partage ça. Pas spécialement pour vous vendre des places, puisque là, effectivement, c'est complet. Donc, voilà, j'ai attendu. Hein, c'est pas, voilà, donc, ce ne sera pas une soirée de vente commerciale. Hein, c'est vraiment une soirée pour vous expliquer à quoi ça sert, hein, pourquoi on fait ça, pourquoi on investit dans un rencontre partage avec les autres, et surtout aller répondre à toutes vos questions. Parce que je sais que vous êtes beaucoup, pour qui c'est nouveau, vous ne participez peu ou pas à des rencontres partage. Vous êtes peut-être comme moi, un petit peu solitaire. Hein. Moi, j'en fais peu, c'est clair. Et j'explique pourquoi j'en fais, quand j'en fais, ce que je vais y chercher, et surtout ce que je ne vais pas y chercher. Voilà. Donc ça aura lieu sur Insta, un soir la semaine prochaine, et ça aura lieu sur le groupe privé Guidance et Énergétique, un soir la semaine prochaine aussi. Je vous redonnerai les infos. Donc, voilà tout le blabla du jour. Pour ceux qui aiment pas le, pour celles qui n'aiment pas le blabla, c'est terrible. On y va. C'est les messages de vie qui viennent nous parler aujourd'hui. Hein, elles sont très présentes. Je crois recevoir le message. Je pense qu'on va nous parler encore de très en lien avec cette histoire de pleine lune et de lâcher prise. Ah mince, il y a deux cartes. Bon, bah, on recommence. Elles étaient collées. On recommence. Les cartes étaient collées. Hop là, hop là, ça y est, tombé. Je fleuris, elle est très très belle cette carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit, il ne faut pas vieillir, hein, lunettes vues de près. Je me transforme chaque jour, je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins, j'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux. Pour conserver une attitude positive en tout temps, j'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Alors, quand on dit ce que Dieu pense de moi, Dieu étant une partie de nous, nous sommes une partie de Dieu. Je cherche mes mots ce matin. Donc, ça veut dire que c'est ce que je pense de moi avec moi, quoi. C'est ce que mon moi divin pense de moi.
Là, il y a vraiment une question de vous. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai sorti cette carte du positionnement. Il y a un moment, j'ai fait une guidance, je crois que c'est lundi. Je ne sais plus, je vous ai fait un message où je vous ai parlé de positionnement dans la vie, de savoir se positionner, savoir dire non, savoir accepter les noms des autres, savoir se positionner et accepter que ça ne fasse pas plaisir et accepter que ce ne soit pas conforme pour les autres et que pour les autres, vous deveniez le méchant, le pas gentil. Et ça, il faut que ce soit OK pour vous. Eh bien, dans Je fleuris, il y a vraiment cette notion de... et cette pleine lune va vous inviter à ça. Et cette journée d'aujourd'hui, on va dire avant pleine lune, vous invite à ça. Elle vous invite à vous dire, à prendre un moment aujourd'hui, si vous le pouvez, si c'est OK pour vous, pour rester avec vous-même, pour rester en communion avec vous-même. Une pleine lune, c'est l'occasion aussi d'émettre des vœux, d'émettre des intentions. J'en parlerai sur le groupe privé. C'est vraiment l'occasion de ça. Donc aujourd'hui, on vous dit... Demain, tu feras, que tu fasses un soin ou pas, d'ailleurs, peu importe, tu pourras, tu auras l'occasion, tu seras invité si tu as envie, donc aucune obligation, à pouvoir remettre des magnifiques intentions que tu vas laisser pousser jusqu'à la nouvelle lune, et puis après qui referont un bond jusqu'à la pleine lune, et ainsi de suite. Hein. Ça peut être les mêmes vœux ou des vœux différents, peu importe. Donc tu as l'occasion, tu auras une magnifique occasion demain d'aller parler à cette magnifique énergie de la lune pour aller lui poser tes intentions. Et alors, on t'invite aujourd'hui, avant d'aller poser tes intentions à la nouvelle lune, si tu le souhaites, à faire un moment d'introspection, hein, de rencontre avec toi-même, où tu vas regarder un petit peu ce qui se joue à l'intérieur et combien tu as évolué et combien tu es en train de grandir et combien tu laisses encore de plus en plus de place au divin dans ta vie. Parce que c'est clair que si tu es devant cette vidéo, c'est que tu laisses, c'est que tu as senti, tu le sais, qu'il y a autre chose que la vie extérieure, qu'il y a autre chose que ce corps et que ce que tu ressens là. Il y a à l'intérieur de toi quelque chose qui te pousse à aller vers quelque chose de plus grand. Moi, j'appelle ça retourner à la maison. Tu vois, il y a quelque chose qui t'invite à rentrer à la maison. La maison étant ce que tu es, l'être divin que tu es et l'être sans limite que tu es. Eh bien, aujourd'hui, peu importe où tu en es sur ce chemin, il n'y a pas des gens qui sont plus avancés que d'autres, peu importe. On est toujours au bon endroit, au bon moment. Cette histoire de « il est plus éveillé que moi, il est moins éveillé que moi », c'est du bullshit. Voilà, tout le monde est éveillé à l'endroit, au moment. Il est dans la compréhension de ce qui est utile, nécessaire, important pour lui à l'instant T. Et c'est OK. Donc, il n'y a rien de pire, et ça, on en reparlera dans les trucs de groupe, il n'y a rien de pire que d'aller se comparer à l'éveil de l'autre. Bon, on aura toujours dans un groupe quelqu'un qui viendra ici pour nourrir son ego, qui viendra dans le groupe pour nourrir son ego, très vite repéré par l'animateur d'ailleurs, et c'est OK, sauf que très vite, on vous invite même en amont à ne pas vous comparer. L'éveil ne se compare pas, ça ne se mesure pas. C'est pas « je suis plus éveillée que toi »,« je suis moins éveillée que toi », c'est « on suit tous un chemin et on suit notre propre chemin ». Et ça, c'est très important que vous entendiez ça. Même moi, je ne suis pas plus éveillée que vous. Ce n'est pas une question de plus éveillée. C'est juste une question, comme on dit, que l'information à laquelle on peut tous accéder, moi, j'y accède plus facilement, sûrement, et surtout, j'y accède pour vous le transmettre. J'aurais pu accéder plus facilement pour moi, parce que moi, ma mission de vie, ce qu'on m'a donné comme mission, et quand on se rencontrera en juillet, je vous raconterai cet épisode qui était juste sublime, une partie du moment où Samantha est venue à ma rencontre pour me dire quelle serait ma mission, et comment moi, j'ai vécu ça après. C'est juste ça la différence. Donc là, on n'est pas dans il est plus éveillé que moi, il est moins éveillé que moi, lui c'est lui. Non, c'est bullshit. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc là, on vous invite à partir d'où vous êtes, vous, là, tout de suite, à aller regarder à l'intérieur qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre vie, qu'est-ce qui est en train de se passer de facile. De génial, et puis aussi qu'est-ce qui est en train de se passer en termes de contraction pour vous permettre d'accéder encore plus à votre divin. Quand on dit d'y accéder, c'est en fait pas y accéder, c'est lui permettre de prendre le pouvoir, hein, si vous pouvez dire ça, et de prendre en fait les rênes de votre Ferrari. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser les rênes à votre mental, qui est très utile, encore une fois, on ne tue pas les gonds, on ne tue pas le mental, on en reparlera aussi, ça c'est des notions extrêmement importantes,
si vous sentez l'appel d'avoir envie de vous exprimer beaucoup plus et un peu plus chaque jour à partir de votre divin, à partir de ce que moi j'appelle la vie, votre essence divine, parce que vous êtes en train de commencer à vous souvenir d'où vous venez et qui vous êtes vraiment. Quand je dis qui vous êtes, c'est pas le petit personnage. Le petit personnage, vous ne saurez jamais qui il est. Ça va être très compliqué. C'est bien ça qui va être difficile à intégrer. Mais vous êtes appelé. Et dans Je fleuris, c'est ça. Hein. C'est vraiment, aujourd'hui, je prends le temps de laisser mon divin, ma partie divine, hein, ma partie éternelle, parce que cette partie-là éternelle, mon âme, voilà, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Eh bien, aujourd'hui, vous allez laisser le temps à cette partie de s'exprimer. Et pour qu'elle puisse s'exprimer demain, après-demain et un peu plus chaque jour, hein, puisque le mental continuera à s'exprimer aussi, et c'est parfait. Eh bien, pour qu'elle puisse s'exprimer un peu plus chaque jour, on vous dit aujourd'hui, c'est vraiment important que vous alliez reconnaître cette partie si ce n'est pas encore fait, l'accueillir. Et aujourd'hui, reconnaître aussi, et ça c'est extrêmement difficile, bien sûr, que parfois, pas toujours, mais parfois, écouter votre divin en vous, c'est ne pas écouter les autres. Et c'est pas écouter ce que pensent les autres, pas écouter ce que veulent les autres, c'est s'opposer aux autres. Alors, et ça c'est très perturbant pour beaucoup d'entre vous, parce que si vous avez fait du développement spirituel ou développement personnel New Age, il y a un truc qu'on vous a raconté. On vous a raconté des trucs quand même que moi je trouve complètement, c'est mon avis, hein, c'est l'avis aussi de mes guides, c'est qu'on vous a dit, bah, quand on fait du développement personnel et spirituel, on ne s'oppose plus aux autres, on ne se fâche plus, on est toujours calme, on est toujours serein, et puis voilà, on sourit tout le temps, on est toujours en train de dire aux autres, non, vas-y, envoie-moi des bas, je ne vais pas te répondre. Bon. Eh bien, en fait, il y a un moment, je ne dis pas non plus qu'il faut devenir un guerrier, hein, mais il y a un moment, quand vous voulez, dans votre vie, ce n'est pas un moment dans le temps, hein, c'est parfois, hein, quand vous voulez laisser la place à votre divin pour fleurir, hein, quand vous partez, quand vous décidez de vous écouter à partir de votre divin, vous savez qu'à un moment donné, il se peut que ça s'oppose au désir de quelqu'un d'autre. Qui serait peut-être pas dans son désir divin, ou qui est peut-être d'ailleurs, peu importe, on ne juge pas le désir de l'autre, l'autre il a son désir, peu importe d'où il part, est-ce que c'est un désir du mental, est-ce que c'est un désir du divin, peu importe. Et donc, mais vous, à chaque fois que vous allez laisser plus de place à votre désir divin, il se peut que parfois, parce que vous avez encore du ménage à faire, parce que vous avez encore des zones d'ombre à mettre en lumière, que l'univers vienne vous mettre sur votre chemin des gens qui vont s'opposer à vous. Alors, des trucs qui vont vous casser les pieds pour rester poli. Eh bien, ça, sont des, on va dire, ce sont des... Alors, comment on pourrait dire ça ? Ce sont des jeux... C'est un jeu, c'est... Enfin, un jeu, même si c'est pas drôle. C'est une façon très simple de pouvoir comprendre, comme l'autre est miroir, hein, la vie extérieure n'est que le reflet de ce que je vis à l'intérieur, c'est la façon la plus simple pour Dieu de nous faire toucher du doigt ce qui a encore besoin d'être accepté, compris chez nous. Donc si on exprime un sentiment, une envie, un désir dans la matière à partir du divin, eh bien on va rencontrer tout un tas de gens qui vont être super connecté à nous, avec qui on va pouvoir faire des choses, ça va être super, ça va être génial, ils vont vraiment nous adorer et ça va être le monde des bisounours. Et puis de temps en temps, on va rencontrer des gens qui vont s'y opposer, ils vont vous répondre des non ou ils vont faire des choses qui vont vous mettre en colère ou en tristesse. Et là, on vous dit, il faut accepter que quand vous exprimez votre divin, il peut y avoir des gens et des choses qui s'y opposent. Mais Dieu ne vous a jamais dit de ne pas répondre. Dieu a simplement, vous pouvez vous, en tant qu'être dans la matière, dire stop, non, ou je ne suis pas ok avec ça à quelqu'un qui aujourd'hui ne respecte pas, entre guillemets, avec votre petit, non, c'est pas qu'il respecte pas en fait, mais enfin, on va employer ces mots-là pour que ce soit plus simple, à quelqu'un qui n'honore pas votre divin, ou qui ne vous laisse pas l'honorer, parce qu'à la limite, vous ne lui demandez pas de l'honorer. Ce que vous souhaitez, c'est qu'on vous laisse honorer votre divin, votre partie divine pour la laisser s'exprimer. Et bien là, il y a un moment, c'est normal dans la vie qu'il y ait des gens de temps en temps. Alors, c'est en général par période, hein, parce que bah, vous êtes en train de travailler sur vous, donc c'est plutôt bon signe. Donc, si vous vivez des... En gros, si je résume, comme dit Ananda, si à un moment, vous vivez des oppositions, c'est très bon signe. Et c'est très bon signe d'y répondre.
Après, il faut répondre avec justesse, il faut répondre avec, voilà, certes, la violence ne sert à rien. Par contre, dire stop à quelqu'un, ce n'est pas de la violence. Les gens, tout de suite, vous savez, dès que vous leur dites non, ou dès que vous commencez à dire ça suffit, tout de suite, ils vous accusent des grands mots. T'es violent, tu me juges, tu ne me comprends pas. Bon, ça, c'est, ça, vous savez, c'est le baratin de l'ego, ça. On fait tout ça, on se drape dans cette dignité de « on ne m'a pas compris, on m'a jugé, non, stop ». C'est parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise non, tout simplement. Enfin, moi, la première d'ailleurs, hein. On n'aime pas qu'on nous dise non. Voilà. Bon, ça s'arrête là, on dit non à quelqu'un, la vie continue. Voilà. Pas non plus faire un film autour de ça. Il faut arrêter le délire. Hein. Hein, c'est pas non plus. Voilà, quand quelqu'un vous dit ah, à cause de ça, t'as détruit ma vie. Non, non, non. Vous n'avez ni le pouvoir de détruire la vie des autres. Ils n'ont d'ailleurs pas le pouvoir de détruire la vôtre. Hein. C'est une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres reçoivent, vous êtes responsable de ce que vous dites. Ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Si ce que vous avez dit est vécu comme un outrage ou un jugement par les autres, bon, écoutez. Voilà, hein, vous envoyez une grande pensée d'amour à cette personne ou à ces gens et puis vous continuez votre chemin. C'est ça, fleurir. Fleurir, c'est ça, c'est oser, bah, oser se positionner, hein, c'est une autre façon, de toute façon, on tourne autour de ça, hein, depuis quelques jours, vous le voyez bien, tous les messages qui viennent sont toujours autour de je me positionne, je prends ma place, j'ose m'affronter, mais s'affronter, c'est se poser, simplement dire, bah, ok, moi, je respire ça aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de respirer, c'est à partir de là que je vais parler et construire mes actions, c'est à partir de mon cœur, alors il se peut que vous tombiez sur des gens qui vous disent, ah mais non, quand on fait ça, on n'est pas connecté, ah bon, moi je réponds dans ce cas-là, mais comment tu sais, toi, ce que c'est que d'être connecté? En dehors de le savoir pour toi, moi je sais pas. Moi j'ai pas la prétention de dire à quelqu'un, sauf quand je suis en consultation individuelle où je ressens la personne et je sens vraiment qu'on est très aligné, mais je n'ai pas la prétention de le dire à quelqu'un qui est plus ou moins éveillé ou connecté que moi. Je ne sais pas ça. Hein, ça c'est vraiment, vous tombez, donc si vous tombez un jour sur quelqu'un qui. Et surtout si c'est un coach, un maître spirituel qui vient vous dire que vous êtes assez, pas trop, super connecté. Un bon ami qui va venir, non mais franchement si t'étais connecté tu pourrais pas faire des trucs comme ça. Bon, là on est dans l'ego spirituel quoi, hein. Ça c'est vraiment un truc, mais on en parlera de l'ego spirituel parce que alors lui par contre l'ego spirituel vous allez le voir fleurir et c'est la grande déception quand vous allez commencer, si vous commencez à en faire, et on en parlera dans les travaux de groupe parce que c'est inévitable, quand vous allez commencer à faire des rencontres partage, vous allez tomber forcément sur l'ego spirituel. Il y a un moment, il va se présenter, le vôtre ou ceux des autres, hein. Le vôtre se présentera aussi, et ça c'est vrai qu'il est peut-être celui-là extrêmement déstabilisant et puis extrêmement décevant. Hein. Beaucoup de gens me disent, non, moi j'ai participé à une rencontre partage, je m'attendais à un truc super bienveillant, et puis il y avait dans le groupe une nana, un mec, ou je ne sais quoi, qui a vraiment été très désagréable, très dans le jugement, très dans le... Bah, il avait laissé parler son ego, voilà, son ego spirituel, on en a tous, et c'est ok aussi, c'est juste, mais, et c'est pour ça que c'est intéressant quand on fait un travail de groupe, et moi c'est ce que je vais faire, c'est ce que je fais quand je travaille en groupe, on commence au début, la première matinée, on va dire les premières heures, c'est on pose tous ces concepts-là, d'ego spirituel, de mental, et chacun se positionne par rapport à ça pour pouvoir vivre au mieux le moment, et pas être... pas être perturbé par ça, parce que l'autre il en a, mais nous aussi, donc un jour ça va être lui, puis l'autre ça va être nous, donc quand la rencontre partage dure plusieurs jours, c'est assez marrant, parce que les jeux changent, et c'est ok, donc l'important c'est pas que l'autre le fasse, l'important c'est qu'il soit conscient, en fait, pardon, quand on exprime son ego spirituel, c'est pas, on peut pas, l'important c'est de prendre conscience qu'on est là-dedans pour s'arrêter et respirer, voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire, voilà, et ça, c'est intéressant. Et c'est vrai aussi dans votre entourage, là. Hein. Tu parles de l'ego spirituel, là, parce que c'est vrai aussi dans votre entourage. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous déclarer comme spirituel, on va autour de vous, on va exiger de vous que vous ayez un comportement dans la matière qui soit irréprochable. C'est-à-dire que vous, à partir du moment où vous vous êtes posé l'étiquette sur vous, de moi, je travaille sur moi, donc je fais du développement spirituel, j'avance sur mon chemin pour me reconnecter encore plus à mon divin. Hein, à partir du moment où vous allez annoncer ça, waouh, 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 waouh. Alors, autour de vous, vous allez voir fleurir des gens qui, à chaque fois que vous allez faire quelque chose qui ne leur convient pas, qui va vous dire ouais, enfin bon, je sais pas, moi je à ta place t'es quand même sur un chemin de développement, peut-être c'est quand même plus très bon de te comporter comme ça, quoi, tu devrais être plus tolérant, tu devrais être en gros, tu devrais me laisser plus faire ce que je veux et empiéter sur tes valeurs, hein. Moi, je traduis, hein. Tu devrais être plus gentil, hein. En gros, être plus gentil, c'est tu devrais plus me laisser faire, hein. Tu devrais plus accepter tout l'inacceptable que j'essaie de te faire accepter. Bref, en gros, comme tu es dans le développement spirituel,
tout est acceptable, tout est possible et tu ne réagis plus à rien. Non, c'est clairement pas ça, et clairement pas ça, encore moins ça. Alors, il y a, sur certains maîtres spirituels, arrivé à un certain niveau de développement, dans certaines religions, quand je dis religion, hein, c'est pratiques spirituelles, où voilà, on voit bien les maîtres, nos maîtres ascensionnés, que ce soit Bouddha, Jésus, est arrivé à un moment de leur vie, enfin, quoi qu'on a vu Jésus quand même, quand il est incarné, piqué de très grosses colères, ceux qui s'intéressent à la vie de Jésus regarderont, mais enfin, il c'était quand même un qui était capable d'avoir très grosses colères, hein, hein, parce que il trouvait ça tellement insupportable, certains trucs, il l'exprimait comme ça dans la matière. Bon, donc à un moment donné, vous ne trompez pas, hein, cette vidéo est un peu longue, je suis désolée, vous ne trompez pas, laissez fleurir votre divin, ne va pas, pour résumer, être toujours accueilli à bras ouverts par les autres, mais vous ne laissez pas influencer, hein, restez bien dans votre divin, mais par contre, ne vous laissez pas influencer, mais acceptez qu'il y ait des choses qui s'opposent et prenez-les comme des cadeaux, parce que plus vous allez avancer sur le chemin, alors j'ai une bonne nouvelle, non, les gens n'arrêteront pas de s'opposer, mais comme vous aurez mis de la lumière, ça ne s'opposera plus de la même manière, et puis surtout, plus vous allez avancer, plus vous allez vous détacher finalement de la vie des autres, hein, puisque la vie des autres, L apostrophe A-V-I-S, ce n'est que la vie, elle, plus loin, V-I-E, des autres. Hein. Ça, c'est vraiment important que vous gardiez ça en tête. Les gens, quand ils vous donnent un conseil, ils ne vous parlent que d'eux. Toujours. Je parle dans le mental, hein. Pas quand on est en connexion, quand on fait une guidance, parce que d'ailleurs, quand on fait une guidance, moi, je dis toujours, attention, moi, je ne pense à rien, personnellement. Hein. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, la vie des autres n'est que la vie des autres. Donc, ça va être important aujourd'hui. Vous avez dit, Linda me dit que beaucoup d'entre vous, pour rester dans votre centre, là, donc là, c'est important aujourd'hui, en préparation de cette pleine lune qui arrive demain, qui est déjà là, mais qui sera très présente demain, puisque c'est son jour demain, de rester dans votre centre. Pour ceux qui ont l'audio ancrage, qui avaient fait le soin énergétique, je ne sais plus, c'était une nouvelle lune, pleine lune, je ne sais plus quand, où il y a eu un très très bel audio d'ancrage, ben c'est peut-être le moment d'aller l'écouter. Si vous ne l'avez pas, vous en trouverez d'autres, vous pouvez faire aussi l'ancrage vous-même, enfin voilà, hein, c'est OK. Voilà, donc aujourd'hui, je laisse fleurir mon divin, je l'accueille et je vais le visiter et je m'ancre. Pour pas me laisser emballer par soit les égos spirituels, soit le mental des autres, qui pourraient venir le chemin que je suis en train de prendre, c'est pas dans leur plan, quoi. Très clairement, c'est aussi simple que ça. C'est ce que je suis en train de faire, c'était pas dans leur plan. Hein, et du coup, ça peut créer de la culpabilité. On entend beaucoup ça dans bah ouais, moi je suis en train de me développer spirituellement, puis je suis super embêtée parce que ma femme ou mon mari, c'est pas du tout le chemin qu'il est en train de prendre. Du coup, ça crée de la distance entre nous. Oui, ça on en parlera aussi parce que ça c'est un vrai problème dans les couples. Hein, quand il y en a un qui est vraiment beaucoup plus orienté vers ce chemin-là que l'autre, on ira parler de ça. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Donc on se retrouve à 9h55. On se retrouve en fin de journée pour un tirage, un message de la pleine lune, signe par signe. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée. Nous ici, il pleut, ça y est, enfin, j'ai envie de dire, en Normandie, il pleut. Ça fait du bien aussi. Moi, j'ai trouvé ça intéressant ce matin en me baladant de voir ça, enfin très tôt, il faisait à peine jour, de voir ça parce que ça permet de laver un petit peu les énergies qu'il y avait depuis quelques jours. Vous n'avez pas été sans passer à côté, hein, qui se joue des choses extrêmement importantes dans le monde en ce moment. Et je crois que ce monde a besoin d'être nettoyé. C'est aussi une façon de le nettoyer, de mettre ça à jour. Voilà, je nous aime et je vous dis à demain. Bye bye.